Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il faut savoir une chose, c'est que dans ce monde, il faut décrypter, déchiffrer, il faut euh, tout, tout, euh, tout découvrir par soi-même, parce qu'il y a des messages cachés, des significations cachées, que ce soit dans les symboles, dans les lettres même dans des phrases dans des mots dans des signes dans des images dans des objets euh, voilà il faut décrypter il faut il faut, il faut il faut découvrir ce qui se cache derrière les symboles ou quoi que ce soit ce qui est le cas malheureusement du nom d'Allah, mais aussi du homme hindou le homme et utilisé aussi en, au, dans le bouddhisme, dans le jaïnisme, etc., etc. Donc, euh, ça ne concerne pas uniquement que l'hindouisme. Hein. Il y a aussi bouddha, euh, donc le bouddha ou quoi que ce soit. Nous savons très bien que les statues de bouddha sont des démons. Voilà, c'est. Donc, euh, voilà, tout ce qui ne vient pas de l'éternel, de toute façon, et de l'idolâtrie, du satanisme, et, et voilà. Euh, parce que. Les, les deux seules religions malheureusement qui ont prêché le Dieu véritable, ce sont les juifs, et les, le judaïsme en tout cas, et les chrétiens, donc le christianisme, parce qu'ils ont prêché le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu saint, le, Dieu, le seul et unique Dieu, qui n'a ni commencement ni de fin, qui a créé toutes choses et qui finira toutes choses, notre Père, notre Dieu, Abba Père, voilà. Parce que l'Éternel est apparu à Moïse et aux prophètes. Et Yeshua, fils de Dieu, est apparu à la fois pour les juifs, mais aussi pour les non-juifs. Donc voilà, le judaïsme et le christianisme sont les deux religions où ils prêchent le Dieu véritable. Voilà, donc euh, en plus Yeshua est fils de Dieu, le roi d'Israël, le roi des juifs. Bon, malgré que les juifs ne reconnaissent pas Yeshua, mais je prie pour que les juifs retournent vers Yeshua. Mais voilà, donc... Malheureusement, le reste, c'est à bannir totalement, puisque l'islam prêche le Dieu Allah, qui est Satan, qui est le, 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 le dragon, Djibril est la bête, et Mohammed est le faux prophète décrit dans l'Apocalypse. L'hindouisme, le bouddhisme et tout sont des religions sataniques et idolâtres. Voilà, tout ce qui ne vient pas de l'éternel sont sataniques et idolâtres, tout simplement. Je préfère être franc, voilà. Mais... C'est pas parce que le judaïsme et le christianisme sont les deux seules religions où ils prêchent Dieu véritable qu'il faut s'élever plus haut que n'importe qui. Voilà, parce que je parle pour certains qui, et certaines qui s'élèvent plus haut que les autres. Voilà. N'oublions pas que nous sommes dans le même rang, nous tous. Nous sommes tous dans le même rang, nous sommes tous des êtres humains dans le même rang. Donc pas besoin de s'élever ou quoi que ce soit. Voilà. Mais c'est parce que tout simplement le message du véritable Dieu a été transmis à, à la fois euh, pour les juifs et à la fois pour les chrétiens. Donc euh, les prophètes étaient hébreux, donc euh, juifs et israélites. Donc euh, voilà, et Yeshua également. Donc voilà, Yeshua lui de toute façon il est venu à la fois pour les brebis perdues de la maison d'Israël mais aussi pour. Euh, les créatures du monde entier, puisqu'il a dit à ses disciples, allez prêcher l'évangile pour toute créature de, de toute la création, quoi. Donc vous voyez. Mais malheureusement, l'islam et tout ne sont pas la vérité, malheureusement. Ce que nous voyons le cas dans la photo de la vidéo, puisque nous voyons que Satan est dissimulé dans l'islam et l'hindouisme. Alors, ce que ce que je voulais dire, c'est que euh, comment l'hindouisme peut être une religion de vérité ou quoi que ce soit avec 330 millions de faux dieux et fausses déesses? Vous voyez, c'est n'importe quoi. Il n'y a qu'un seul dieu dans les cieux, il n'y en a pas d'autre à ses côtés. L'éternel n'a ni commencement ni de fin et, et, et à, à ses côtés il n'y a pas de dieu. Il est l'unique. Adonai et l'éternel est un. L'éternel est notre dieu, l'éternel est un. Il n'y a pas d'autre dieu que lui seul. Donc vous voyez, dans l'hindouisme, comme dans les religions grecques, romaines ou, ou, ou bien d'autres religions polythéistes, hein, eh bien, euh, il y a différents dieux et déesses euh, qui, ont, qui, qui, font un, qui ont des buts bien précis. Il faut savoir une chose, c'est que euh, chaque dieu et chaque déesse ont une mission bien spécifique. Et ils étaient plusieurs selon les traditions à construire le monde, alors que nous, nous avons un Dieu suprême et éternel qui a créé lui seul toutes ces choses. Donc vous voyez, ça prouve que leurs dieux n'ont pas de... Voilà, ils n'ont pas de, de pouvoir, parce que tout simplement, ils étaient obligés de construire le monde, l'univers, enfin, entre guillemets, à plusieurs. Et alors que l'éternel, le véritable, a créé tout cela de lui-même, par son esprit, par sa parole et tout. Donc vous voyez, euh, c'est incroyable. En plus, il faut savoir une chose, c'est qu'en enfer, ils sont des milliards de démons. Nous avons Satan, qui est le Dieu de ce monde, comme ils disent dans la Bible, le Dieu des enfers. Il gouverne toutes choses. Il envoie les esprits, les démons dans les quatre coins de la terre. Les démons et les esprits s'adaptent aux traditions des hommes et s'adaptent dans chaque pays. Ça, ça ce n'est pas nouveau. Mais bizarrement, dans toutes les religions polythéistes, tout s'accorde. Vraiment, tout s'accorde. Ils ont tous les mêmes traditions. Euh, dans l'hindouisme, nous avons un dieu suprême qui est appelé Brahman. Euh, nous avons également des dieux et des déesses, mais celui qui gouverne, c'est ça. En enfer, nous avons Satan qui gouverne. Et qui a plusieurs entités et de légions sous ses ordres. Là, par exemple, prenons le, le symbole de Home. Alors, quand vous faites Home, vous savez le, le, le fameux chant là pour méditer et pour se détendre. Sachez une chose, c'est que sans le savoir, vous invoquez trois divinités. Vous allez me dire, bah non, c'est faux. Si si. Vous invoquez, vous invoquez trois divinités qui sont Brahma, Vishnu et Shiva, qui est tout simplement la Trimulti, la triade hindoue qui représente les trois dieux. Quand vous faites Home, vous invoquez, et ce n'est pas une connerie, vous invoquez trois dieux. Euh, ce mantra, appelé Home, provient de la fusion des phonèmes. Euh, sanscrite AUM. Pourquoi Parce que tout simplement euh, A représente le commencement, la naissance et le Dieu créateur Brahma. Le U représente la continuation, la vie et le Dieu Vishnu. Et le M représente la fin, la mort et le Dieu destructeur du mal Shiva. Donc, vous voyez, ce syllabe représente donc la totalité de ce qui existe et ce qui est et qui contient le passé, le présent et le futur tout en étant d'essence autre. Ainsi que la, que la triade hindoue. Voilà. Vous voyez, quand vous faites OM, vous invoquez les trois dieux Brahma, Vishnu et Shiva. Alors, moi, je le fais dans la vidéo pour vous expliquer qu ce que c'est que le OM. Voilà. Mais. Je ne crois qu'en un seul dieu. Cette vidéo n'est pas dans le but de prêcher ces faux dieux, mais plutôt de, de les démasquer et, les et de les dénoncer publiquement en spectacle. Donc, vous avez vu dans l'image, j'ai mis le symbole ou le syllabe homme. Et bien bizarrement, j'ai tout découpé. J'ai découpé, j'ai calqué, j'ai assemblé, j'ai fait quelques montages. Et bien bizarrement, en bas, ça vous fait Satan en rouge. L'hébreu se lit de, droit, de droite à gauche, pas comme les Français que le français se lit de gauche, de gauche à droite. Là, vous avez tout simplement Satane. C'est assez incroyable. En plus, si vous regardez bien le homme, il ressemble étonnamment au nom d'Allah. Allah, là j'ai mis, c'est euh, le nom d'Allah, mais effet miroir, c'est-à-dire juste inversé. Dans le nom d'Allah, vous avez le, le, le nom d'Allah ressemble à un serpent. Donc en plus de cela, c'est que il y a la lettre Ha qui ressemble à un piton, euh, qui ressemble pardon, à un cobra. Vous avez en plus de cela c'est le Shada. C'est la, la petite lettre, le petit symbole euh, qui ressemble à Oshin, à, à trois branches d'ailleurs. Eh bien, ce que vous avez, c'est que vous avez exactement la même chose dans le dieu Shiva, puisqu'il a un trident et il a un, il a un cobra. Bizarre quand même. Donc, en plus de cela, c'est que vous voyez dans la, dans la Trimulti hindou, donc le homme, il y a quoi Il y a Shiva. Donc vous voyez, en vrai tout simplement, l'islam est, est, a une trinité infernale comme la trimultide de hindouisme. Il y a le Dieu Allah qui est représenté par Brahman. Vous avez en, euh, Vishnu qui est représenté par Mohammed et Shiva qui est représenté par Dibril. Donc voilà, vous avez Brahma, Allah, Vishnu, Mohammed ou Dibril, hein, et Shiva euh, soit Mohammed ou soit Dibril. En tout cas, les, les trois euh, Allah, Mohammed et Djibril sont des créatures lunaires. Voilà. Il faut savoir une chose que dans l'Apocalypse, c'est écrit qu'il y aura une bête, un dragon et un faux prophète. Vous l'avez obligé, vous l'avez dans l'islam, Allah. Le dragon, Djibri la bête, et Mohammed le faux prophète. Donc vous voyez. Là, c'est assez étonnant, c'est que vous voyez que le, le syllabe homme, après avoir coupé, découpé, après avoir monté l'image, après avoir inversé et tout, en ordre, ça vous fait sataneux. Comme dans le nom d'Allah. Bien. Comme je disais tout à l'heure, il y a 330 millions de faux dieux et fausses déesses, sans compter bien évidemment, sans compter les démons et les esprits, les anges et tout, puisqu'il y a plusieurs cultes dans l'hindouisme. Il faut savoir une chose, c'est que il y a un culte euh, des démons. Les démons s'appellent les Asuras. Les Asuras sont des... Des, 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 des êtres démoniaques dans la mythologie de l'hindouisme. Donc vous voyez, euh, les Asuras sont considérés même comme des dieux. Tout simplement. Et en plus, ils sont opposés aux Devas, c'est-à-dire aux, aux dieux, mais ils sont considérés comme des dieux. Donc vous voyez, c'est un petit peu euh, bizarre. Hein en plus, il faut savoir une chose c'est que on retrouve les Asura dans, la, dans le bouddhisme japonais. Sauf que les Asura dans la, dans la mythologie japonaise sont des gardiens et protecteurs de la loi et du Bouddha. Et qu'est-ce que vous, vous retrouvez dans le bouddhisme La lettre Home. Donc vous voyez, c'est assez bizarre. Même dans le bouddhisme, ils chantent euh, un mantra qui s'appelle Om Mani Padme Hum. Hum, ou Hum, je ne sais quoi. C est, c est, vous, en, vous avez le Om au début. Donc vous voyez, c'est assez étrange hein, quand même. Parce que euh, dans le bouddhisme, il y a bien euh, des, 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 des cultures hindoues ou quoi que ce soit. Donc euh, en plus, il y a des, des mantras de la même, de la même sorte. Vous voyez? Alors, ce qui est assez étrange en plus, c'est que les démons euh, dans, dans l'hindouisme, c'est les Asura, eh bien, vous avez une fête islamique qui est appelée la Ashura. Donc vous voyez la Ashura, mais des fois ça se prononce aussi Asura. Bizarre, non Alors qu'est-ce que c'est que la Ashura dans l'islam? Eh bien, vous avez deux sortes de Ashura. Il y a une que les, les, euh, que les, sunnites, les sunnites commémorent le jour où Moussa Moïse traversa la Mer Rouge avec son peuple et fut sauvé du Pharaon. Mais les chiites les chiites donc vous connaissez les chiites et les sunnites sunnites euh, les chiites et eh ben eux le jour de la Ashura est le jour de la commémoration du massacre de l'Imam Hussein et de 72 membres de sa famille et partisans par le califat Omeyyad lors de la bataille de Kerbala en 680 après Jésus-Christ. Progressivement, hein, euh, euh, l'Ashura a symbolisé la lutte contre l'oppression et les injustices dans le schisme par référence à cet événement historique. Euh, Qu'est-ce qu'ils font comme cela Eh ben, ils se font... Euh, des, des incisions et puis ils se fouettent le dos sévèrement au point de saigner mais de quand je vous dis de saigner c'est saigner ils se fouettent le dos et après ce qu'ils font c'est qu'ils font des sacrifices bien évidemment et puis ils prennent le sang du sac de, de l'animal dans dans un sabre et ils se font une petite incision dans le front et ensuite il y a aussi le sang de l'animal qui coule sur eux sur la tête sur leurs vêtements et tout. Euh, eh bien il y a une fête qui ressemble également pareil, c'est la Taipusam. La Taipusam, c'est en l'honneur d'un des fils euh, de Shiva et de et de Parvagi. La Taipusam, elle est assez euh, bizarre puisque ils se font quoi Ils se font percer les joues et la langue. Et ils se font euh, ils mettent des, 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 des sortes de, de mini crochets dans le dos avec des cordes pour euh, diriger un char. Mais il n'y a, a pas que ça aussi, c'est que euh, ils font cette fête en l'honneur d'une déesse et qu'il paraît que si euh, le fidèle ou la fidèle ne, ne s'aime pas, ou pas assez, c'est qu'il n'est pas assez dévoué pour la déesse. Donc faut que ils saignent énormément pour que la déesse l'agrée en gros. Et quand vous voyez bien, ils ont les yeux, euh, des gros yeux qui ressortent, des gros yeux globuleux. C'est, on, on dirait, j'ai l'impression qu'ils sont possédés, ils sont en transe. En plus avec la douleur et tout, mon dieu. Si vous voyez, ils, se, ils, ils prennent des des, 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 des crochets avec des, des, des cordes. Et puis ils tirent le, le, sur leur dos et tout euh, pour, pour euh, soulever et déplacer un char, un char hindou lors d'une parade. Mon dieu, vous vous dites, euh, qu'est-ce que c'est que ça La Ashura et la Thaipusam sont, sont la même fête, puisqu'ils se fouettent le dos chez les chiites. Et pareil pour les hindous, ils, ils, ils prennent des crochets pour les accrocher dans, dans leur dos. C'est affreux, en plus il y a du sang qui coule et tout. Il y a un commandement où c'est... Euh, il y a un commandement à ce sujet, c'est Lévitique chapitre 19 verset 28, il est écrit vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous ne ferez point de tatouage, moi je suis l'éternel. Les Chites, ils se font des incisions en se fouettant le dos, en se en faisant une incision sur leur crâne et tout en euh, pour euh, pour un mort qui est euh, l'imam euh, Hussein euh, voilà avec les 72 membres euh, qui ont péri avec. Donc vous voyez c'est euh, c'est c'est assez barbare hein, ces trucs là, c'est franchement c'est assez barbare. Et et, et c'est pour cela qu'on voit bien que Satan règne dans les deux côtés puisque euh, l'éternel nous a donné bien une un commandement de ne pas faire ça et que eux le font quand même. Vous voyez? Et en plus, ils font ça en l'honneur, comme par exemple dans la taille Poussame, en l'honneur de diverses divinités. Euh, vous savez très bien que les idoles ne sont pas des dieux, mais ce sont des démons. Hein. Il n'y a qu'un seul dieu dans les cieux, il n'y en a pas plusieurs. Et si vous invoquez des dieux ou des déesses, forcément, vous n'invoquez pas l'Éternel, puisque il est le seul et l'unique. Vous invoquez des démons et des démons. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que euh, vous avez plusieurs choses dans dans, dans l'hindouisme il faut savoir que l'hindouisme est une religion sexuelle basée sur le kamasutra le, le sexe tantrique vous voyez des représentations de shiva qui euh, bah qui euh, qui a des rapports sexuels avec euh, Kali ou, ou des trucs comme ça avec le lingam et le yoni euh, voilà vous vous dites quand même le lingam représente le phallus donc le pénis de Shiva et le yoni représente le, la vulve donc le vagin de, de, de Shakti vous voyez et quand vous voyez bien ben c'est la pierre qui rentre dans le ben dans la vulve hein et c'est pareil en islam en islam c'est exactement pareil il y, a, il y a du sexe et tout prenons par exemple des des passages d'imam à propos des houris hein, quand j'ai vu ça je me suis dit quand même c'est les deux religions se ressemblent parce que ils sont sexuels ils sont perverses tout simplement euh, donc il euh, y, a, y a un qui a dit. Euh, chaque fois qu'un homme touche une ourie il la trouve vierge le pénis des élus ne faiblit jamais L'érection est, est éternelle. Chaque élu musulman épousera 70 ouris en plus des femmes qu'il a épousées en ce monde. Et elles auront tous des vagins appétissants. Ça paraît irréel et complètement euh, complètement <laughs> absurde, mais c'est la vérité, puisque ce fameux imam, c'est un grand savant musulman appelé Al-Suyuti ou Al-Suyuti enfin Suyuti peut-être, je sais pas. Il est tout simplement du 15e siècle. Donc donc voilà, c'est un grand savant musulman du 15e siècle. Donc vous, vous voyez euh, quand vous entendez ça avec le avec Shiva et, et, Sha, et Shakti euh, quand même euh, c'est c'est complètement euh, Absurde. Euh, prenons un autre exemple. <laughs> euh, un certain Nader Abu Anas a déclaré Au paradis, la femme redevient vierge après chaque rapport sexuel, et l'homme aura des ourises, soit des femmes créées à la perfection par Allah uniquement pour, para pour le paradis. Il y aura. Euh, donc les ouris hein, sont des jeunes euh, femmes. Hein, donc euh, des jeunes femmes, euh, ils auront quoi euh, 12 ou 13 ans et il y aura aussi de jeunes garçons très beaux prêts à servir en tout temps. Et selon le Coran, ce seront des garçons qui seront jeunes éternellement. Donc vous voyez ce que je veux dire. Hein Tel est le paradis qu'Allah réserve aux pieux selon Nader Abou Anas. Donc vous voyez, tout il y est. Hein Satan, de toute façon, il règne à la fois dans l'hindouisme et le bouddhisme. Re regardez la vidéo que j'ai faite à propos de Shiva où il y a tout, tout y est. Vraiment, vraiment, tout y est. Vous avez, dans la chevelure de Shiva, vous avez le, une déesse qui recrache le lac du Gange. Vous avez, en l'islam, l'eau du Zamzam, puisque l'eau du Gange est une eau miraculeuse de la part d'une déesse. Là, l'eau du Zamzam est, euh, est, un, est une eau miraculeuse de la part d'Allah. En plus, si vous regardez bien, Shiva a un croissant de lune, et, et, et l'eau sort de sa chevelure. Et là, si vous regardez bien la Kaaba, la Kaaba c'est Allah qui est un dieu lunaire, qu'il y a les eaux, les eaux du zamzam sort de, de qui sont en tout cas en dessous en dessous de, de la Kaaba. Bizarrement, les eaux du gange font 10 mètres et l'eau du zamzam font 10 mètres. Voilà. Donc, dans Shiva, comme je vous ai dit, il y a le croissant de lune. Vous le retrouvez dans le Boulan Sabit, le croissant de lune islamique. Vous avez dans Shiva la, la pierre noire, donc le lingam et le yoni. Vous avez en islam la pierre noire et la vulve d'Allah, donc le lingam et le yoni. Vous avez le cobra. En islam, vous avez le ha, la lettre ha en arabe, qui a la forme d'un cobra. Vous avez Shiva qui a le troisième œil en islam, vous avez le Zabiba ou le Tabah, la marque sur le front, donc considéré comme le troisième œil. Vous avez le chapelet de les Et bien En islam, vous avez le Tasbih, le chapelet islamique. Vous avez le tambour de Shiva qui ressemble à un sablier. En islam, vous avez le bedoug, le tambour qu'on uti qu utilise en Indonésie, en Malaisie et tout, pour avant les, les séances, euh, avant les prières et tout islamique. Vous avez le trident de Shiva. Et bien, vous avez le shada dans le nom d'Allah, qui ressemble au trident. Tout comme le nom d'Allah ressemble à un trident. Et vous savez quoi Le home ressemble au nom d'Allah. Puisque là, vous avez tout. Shiva en plus, c'est un dieu lunaire. Les eaux du Zamzam proviennent de la Kaaba. Euh, Allah c'est un dieu lunaire. Le croissant de lune est l'emblème d'islam. Shiva a un croissant de lune. Les eaux du Zamzam, les eaux du Zamzam sont les eaux du Gange dans la chevelure de Shiva. Donc vous voyez. L'islam et l'hindouisme, c'est la même chose. En plus, si vous regardez l'image de la photo, vous avez Satan qui est dans le nom d'Allah et dans le home. Maintenant, Satan est dissimulé dans les deux religions. Après avoir fait des recherches, c'est les deux noms, ou en tout cas les deux le nom d'Allah et le symbole homme, qui contient. Le nom de Satan, qu'on peut on peut le décrypter facilement. C'est assez incroyable quand même. En plus tout y est, dans l'islam, vous avez une religion de guerre, de meurtre, pareil dans l'hindouisme. Regardez, dans l'islam, dans, dans vous avez quoi? Vous avez l'œil turc, appelé le Nazar Bonkuk, ou Bonkuk, je sais pas, moi je prononce pas euh, l'œil turc contre le mauvais œil. Eh bien, c'est le troisième œil de, de Shiva. Et n'oublions pas que selon la tradition turque, c'était un cyclope qui a sauvé un village. Et là, vous avez quoi? Si vous enlevez les deux yeux de Shiva, vous, il ne reste qu'un œil. Le troisième œil de Shiva. C'est pas bizarre. Vous avez la main de Fatma. De Fatima. En islam. Et dans l'hindouisme, vous avez la main de Shiva. En plus, dans la main de Shiva, il contient le home. Dans la main de Fatma, il contient un œil. Vous avez quoi? Vous avez le héné. Le héné vient de l'Inde. Ensuite, les Arabes l'ont repris. Le héné était en l'honneur de faux dieux et de fausses déesses. En Inde, tout comme l'islam, et c'est véridique, il y a des mariages de fillettes et des mariages forcés. Vous avez vu? Dans, dans les temples hindous, vous avez le finial. Le finial, ce qu'on retrouve, c'est une sorte de branche qui est euh, tout au bout, euh, au dessus là euh, euh, d'une coupole ou euh, d'un bâtiment. Et il y a un symbole selon la religion ou quoi que ce soit. Eh bien, nous retrouvons également dans les mosquées avec un, euh, le finial que nous retrouvons dans les dans les coupoles et que euh, il contient un croissant de lune comme symbole. Exactement. Comme dans les temples hindous, vous avez les le finales avec le, le, le trident de Shiva. N'oublions pas que de, dans le Taj Mahal, vous avez dans le final du dôme le nom d'Allah gravé dans le final, dans le Taj Mahal. Donc vous voyez, tout y est. Tout y est. Allah est tout simplement dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Vous ne pouvez pas nier de toute façon, vous ne pouvez pas nier. En plus de, ce, de cela, c'est qu'il y a des équivalents. Vous avez Durga, Kali, vous avez Lakshmi, Parvagi. Ces, 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 ces déesses, notamment Durga, Kali et tout, sont des déesses de guerre. Ils sont représentés par Allah. Ils sont représentés par Allah. Qui est elle aussi, une déesse de guerre. Vous voyez Tout y est. En plus, en islam, j'ai fait une vidéo sur l'étoile de l'octogramme. Et les octagrammes. Qui représentent tout simplement Ishtar, Inanna et tout. Et quel est l'équivalent de Ishtar et Inanna Allah. Et Lakshmi. Et tout le reste. Il faut savoir une chose c'est que les 330 millions de faux dieux et fausses déesses que nous retrouvons dans l'hindouisme, ce sont des démons en enfer. En plus, dans l'islam, vous avez une porte qui s'appelle Al-Djihad. Al-Djihad. C'est quoi le djihad C'est ceux qui font la guerre au nom d'Allah, qui tuent au nom d'Allah, qui font la guerre dans les sentiers d'Allah, qui font des kamikazes, qui coupent des têtes. Al-Djihad. C'est un, un paradis pour ceux qui, qui pour, pour les, les valeureux guerriers comme les Vikings, pour ceux qui ont tué au nom d'Allah. Vous voyez, même dans les Vikings, vous avez le valhalla. Les guerriers doivent mourir avec les armes et tout. Pareil pour l'islam, parce que Mohammed avait promis un paradis au coule, du vin, du, mie, du miel, du lait, de l'eau pure. Que vous pouvez déflorer soit 70 vierges, soit 100 vierges, soit 800, soit 1000, selon les écrits. Que vous pourrez manger de la viande à volonté, et que vous pouvez manger des fruits, des, 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 des meilleurs des fruits à volonté, que vous pouvez avoir des jeunes ourisses qui seront du jeune âge et des jeunes garçons éternellement jeunes pour faire n'importe quoi. Il y a même des musulmans, ils ont dit que. Ils pourront les regarder euh, avec désir et ils pourront faire quoi que ce soit avec ces enfants. Vous voyez comment ça va loin En plus, il y a une porte qui s'appelle Al-Djihad. <laughs> non, mais là, il faut se réveiller quand même. Les huit portes du paradis d'Allah. Dans les huit portes, vous avez une qui s'appelle Al-Djihad. Ceux qui ont fait des meurtres, les djihadistes et tout. Ceux qui font des kamikazes. Ceux qui font des actes terroristes. Ceux qui ont fait des attentats. Ils croiront aller au paradis d'Allah, mais en vrai, le paradis d'Allah n'est rien d'autre que l'enfer. Voilà. Tu ne tueras point, comme l'Éternel a dit. Eux, ils font le sens inverse et tuent au nom d'Allah. Donc vous voyez, c'est n'importe quoi. L'hindouisme est une religion de guerre. Religion destructeur, puisque vous avez je ne sais pas combien de, de dieux et de déesses de, de, de guerre, de destruction. De même quand vous voyez Kali, Kali qui est la version démoniaque de Parvagi, et ben ou Shakti, je m'en souviens plus, et bien vous la voyez comme une démone, avec plusieurs crânes comme, euh... comme collier, avec plusieurs bras, avec des têtes tranchées, des têtes décapitées. Ça ne vous fait pas rappeler quelque chose. Et l'équivalent en plus de, de, de Kali, c'est Lilith, la démone. Vous voyez Kali avec une tête de personne décapitée. Et l'équivalent de Kali, c'est qui? C'est Allat. Vous avez al Almanat, al Alat. En plus, Mohamed avait. avait dit. Qu'on pouvait les solliciter. Vous ne croyez pas Il faut savoir une chose, c'est que la sourate 53, verset 20 à euh, en tout cas de 19 à 21 euh, a été modifiée parce que le culte des déesses n'était pas en total euh, en, en total accord avec le culte monothéisme. Eh bien. Même dans les livres des idoles de Kitab al-Asnam de Isham ibn al-Kalbi, qui, selon Banu Abd in ibn Malik du clan des Takif en avait la charge et lui avait fait construire un édifice lors de la révélation de la sourate. Euh, bah, de la surat, donc, Mohammed avait, selon Tabari, dans une première version recommandé qu'on lui rende un culte. Oui parce qu'il est écrit regardez dans la sourate 53 verset 19 à 21 il est écrit avez-vous considéré Allat et Alouza et Manat cette troisième autre ce sont des les sublimes déesses et leur intersection est certes souhaitée avez-vous le mâle et lui la femelle Donc comme comme ces, ces deux versets ces deux versets surtout que le verset 20 euh, le, le, le verset 20 les, euh, a été abrogé parce qu'elle ne s'accordait pas avec le monothéisme radical que la prédication euh, Mohamed, euh, de, de Mohamed faisait, tout simplement. Euh, en vrai, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont supprimé. Ce sont les sublimes déesses et leur intersection est certes sautée. Ils ont supprimé ce passage. Ils ont laissé. Avez-vous considéré Allah Alouza et Manat, ces trois, troisième autres? Avez-vous le mâle et lui la femelle? Et après il dit que ce sont le des noms de leur de vos œuvres mauvaises et tout et que ensuite les idoles euh, ont été détruites par sur l'ordre de Mohammed à la suite de la conquête de la Mecque parce que tout simplement il ne s'accordait pas à son culte et afin qu'il n'y ait pas de soupçon dans son culte. Et oui. Mais le passage de ce sont, les sub, ce sont les sublimes déesses et leur intersection et sautée a été supprimé. Tout simplement. Maintenant, quand vous regardez l'image entre Allah et le homme, vous voyez que Satan est dissimulé dans cette religion. Rien qu'en voyant l'hindouisme, vous voyez qu'il n'y a que des démons. Il n'y a que des faux dieux et des fausses déesses. Même les faux dieux et les fausses déesses sont des têtes de démons. Euh, voilà. Et juste une chose, c'est que dans, 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 dans le bouddhisme, euh, Mara est un démon qui a tenté Bouddha. On lui appelle euh, le démon du mal, de la mort et de la destruction, et le malin, mais aussi le tentateur. Bizarrement, vous avez la déesse Mara dans l'hindouisme. Quelle est quoi? Déesse de la mort. Eh oui. Et qui est le, le prince de la mort, de la tentation, de la destruction et du mal? Satan. Voilà. Maintenant, vous savez que Satan est dissimulé à la fois dans l'islam et à la fois dans l'hindouisme. Je vous dis shalom à tous. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Merci et soyez bénis au nom de Yeshua et Machar. Merci.